vous asseoir. La Convention nationale, en vertu de la souveraineté qui lui a été conférée par le peuple français, est chargée d'énoncer les crimes de Louis Capet, tentative de corruption des députés, à commencer par Mirabeau, tentative d'évasion, massacre du Champ de Mars. Après votre retour de Varennes, le sang des citoyens était versé au Champ de Mars. Une lettre prouve qu'il existait une conspiration criminelle entre vous et Lafayette. Qu'avez-vous à dire ? Je ne savais rien de cette malheureuse affaire du Champ de Mars. Quant à la lettre dont vous me parlez, je n'en ai pas eu connaissance. Mais elle est de votre main ? Je ne me souviens pas l'avoir écrite. C'est incroyable. Vos frères, ennemis de la nation, on rallie les émigrés sous leur drapeau. Ces émigrés-là font la guerre à la France. Vous ne les avez pas désavoués ? Mais si, monsieur. J'ai désavoué toutes les actions de mes frères aussitôt qu'elles ont été portées à ma connaissance. Après vous être d'abord assuré que vous ne feriez pas de tort à leur projet. Vous êtes libre de vos opinions. Alors là, l'exagère. Il est prouvé que vous avez appelé les régiments qui défendaient la patrie à déserter. Jamais, monsieur. Jamais. Vous avez opposé votre veto au décret contre les prêtres réfractaires. Comme la Constitution m'en donnait le droit. Pourquoi avoir fait doubler la garde suisse aux Tuileries au début du mois d'août ? Parce que le palais était menacé, j'étais une autorité constituée, il était de mon devoir de prendre des mesures défensives. Non, le 10 août, vous avez fait couler le sang des Français. Non, monsieur, ce n'est pas moi. Avez-vous fait construire une armoire avec une porte de fer aux Tuileries dans laquelle il sait que c'est sans espoir, mais il a du courage. Je n'en ai jamais Je l'admire. Citoyen représentant de la nation, il est donc enfin arrivé ce moment où Louis, accusé au nom du peuple français, peut se faire entendre au milieu de ce peuple lui-même. Il est arrivé ce moment où, entouré des conseils que l'humanité et la loi lui ont donnés, il peut présenter à la nation une défense et développant devant elle les intentions qui l'ont toujours animé. Citoyens, je vous parlerai avec la franchise d'un homme libre. Je cherche parmi vous des juges et je n'y vois que des accusateurs. Louis sera donc le seul Français pour lequel il n'existe aucune loi ni aucune forme. Il ne jouira ni de son ancienne condition ni de la nouvelle. Citoyens, je n'achève pas. Je m'arrête devant l'histoire. Songez qu'elle jugera votre jugement et que le sien sera celui des siècles. Extrait de la plaidoirie de Romain de Sèze, l'un des quatre avocats de Louis XVI, le 26 décembre 1792, devant ses juges, députés de la Convention nationale. Louis le dernier, comme on dit alors, doit répondre de 40 chefs d'accusation, dont ceux de trahison et de conspiration contre l'État. Que faire du citoyen capé ? Avant d'en arriver à la comparution, la toute nouvelle République a longtemps hésité. À l'extrême gauche, un implacable jeune homme clame que tout roi est par définition un rebelle et un usurpateur. Ah, quoi bon s'embarrasser d'un procès légal ? Une exécution sommaire suffit. Il s'appelle Saint-Just. Son ami Robespierre l'approuve. Le 20 novembre, on découvre aux Tuileries des documents secrets. C'est ce qu'on appellera l'armoire de fer. Le serrurier qui en révèle l'existence affirme avoir reçu l'ordre de Louis XVI de construire ce placard en avril précédent pour y mettre à l'abri des dossiers soi-disant très sensibles. Le ministre de l'Intérieur, Roland, se précipite aux Tuileries. L'existence de l'armoire de fer est l'un des épisodes les plus douteux, mystérieux du procès de Louis XVI. Car la mise au jour des 726 documents qu'elle contient ne s'est pas faite dans des conditions de transparence absolue. C'est le moins que l'on puisse dire. Car durant tout le procès du citoyen Capet, les rebondissements et les zones d'ombre ne vont pas manquer. Y compris sur la fausse majorité d'élus ayant voté la mort de l'ex-souverain. Avant que l'Assemblée ne rende son verdict, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense ? Oui, monsieur. C'est
C'est peut-être la dernière fois que je m'adresse à vous. Je déclare que j'ai la conscience tranquille. Mais ce qui blesse mon cœur, par-dessus tout, c'est d'avoir été accusé et d'avoir fait répandre le sang du peuple. J'ai tant aimé le peuple français. Et je croyais avoir donné tant de preuves de cet amour que jamais je n'aurais pu imaginer avoir à répondre à de telles accusations. Voilà, messieurs. C'est tout ce que j'ai à dire. Carnot, c'est par fidélité au principe que tous les hommes sont égaux devant la loi. Je vote la mort. Collot d'Herbois. La mort dans les 24 heures. Vergniaud. La mort. Mais je demande qu'il soit sursis à l'exécution. Lindet. Ceux qui hésitent à frapper un tyran ne méritent pas le nom de républicain. Je vote pour la mort. Marat. La mort. Saint-Just. La République ne doit montrer aucune faiblesse. La mort. Brissot. La mort. Avec sursis. Robespierre. Je suis inflexible pour les oppresseurs, parce que je suis compatissant pour les opprimés. La mort. Desmoulins. Je vote la mort. Danton. La mort. Citoyen, dites-moi ce que je dois faire, monsieur. Il faut enlever votre redingote et votre cravate. Ce n'est pas nécessaire, monsieur. Je meurs, innocent de tous les crimes dont on m'accuse. Je pardonne à ceux qui sont coupables de ma mort. Et je prie Dieu pour que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France.